Je vous le disais un peu plus tôt, 68 jeunes Mauriciens poursuivront leurs études supérieures aux frais de l'État, soit 24 de plus que l'année dernière. Vous le savez, c'est une décision du gouvernement d'augmenter le nombre de bourses d'études pour permettre à encore plus d'étudiants de poursuivre leurs études. De ces 24 bourses, 16 sont offertes aux élèves classés parmi les 500 premiers aux examens du Higher School Certificate. Autre critère établi. Leurs parents touchent un salaire maximal de 12 000 roupies par mois. Les 8 autres bourses sont offertes à des candidats dont les parents ne touchent pas plus de 6 200 roupies par mois. Sylvana Moutoussami et Sadna Tilokdari ont rencontré quelques-uns de ces lauréats. Cette bourse, c'est un peu la providence pour la famille Chitou de Marchikos. L'espoir d'une vie meilleure s'éveille pour Suryajit, 18 ans, l'aîné de la famille. C'est sur son lit qu'il a tracé ce parcours. La maison ne permet pas le luxe. Et comme déjà, un soutien pour financièrement pour papa, pour maman, pour famille, parce qu'il n'y a pas gagné trop beaucoup la paix, se revenir bien un petit peu. Papa gagne une aide. Il va quand même mon frère, parce que je suis bien, je n'ai fait ça aussi à l'université. Parce que déjà, on n'est pas trop bien à Boussa, capable. On va à l'université, capable. Car moi, tu peux faire un travail en même temps, moi, tu peux faire une autre course. Et la bourse, comme déjà, c'est l'argent que le gouvernement a dépensé là. J'ai besoin d'aide familiale, moi, déjà. C'est même ça, comme dire, objectif, ce premier objectif. Faut pareil comme mon camarade, même. Si moi, je joue au football, j'écoute la musique, la télévision, tout pareil, ben. C'est vraiment mettre un petit peu plus d'importance pour l'éducation. Ma femme est plus à l'étranger. Mon envie, termine sa éducation théâtrale, là. Fini, comme dire, gagne un bon travail, mon travail. Et là, moi, aide mes parents pour prendre sa case, pour. Il fait une bonne vie au type de sa misère. Être boursier, une gloire certes, mais d'abord c'est alléger le fardeau financier d'un père, tantôt laboureur, tantôt aide-chauffeur, et d'une mère qui tente d'apporter sa contribution en faisant la couture, ça et là. Sans une leçon, non rien, tout le monde a battu sans une grâce, mon frère. Dans l'endroit, c'est tout. Pas dans l'endroit de la famille aussi. Si le gouvernement, parce qu'il a donné une bonne facilité là, comme je vous ai dit, il a pris une bonne facilité, mais là, il a dit qu'il peut soulagement là. Il a dit pour faire son dépense, pour son éducation, il a dit pour faire lui-même, parce que le gouvernement peut donner lui. Comment reste à aller les aînés, les diamants à l'autre côté. Le qu'il est libre, il est libre, là, il faut concentrer. Après, c'est qu'il est content. Pourquoi il se fait qu'il mangeait? Il fait aller. Après, il est content de faire la prière. Mon Dieu, il fait la prière. Il y allait. Tout le monde dit qu'il m'y rappelait. Après, il est arrivé. Et les enfants, dans nos endroits. À 18 ans, notre cœur. Avec l'aide de son frère, il a construit un petit cabane à côté de sa modeste maison pour recevoir ses nouveaux camarades de classe. Priska, lui, on l'a rencontrée sur le campus de l'université. Elle habite chez une tante à Bobassin. Elle fait la fierté de Maréchal à Rodrigue et surtout de sa mère. Elle aussi a connu des sacrifices pour arriver jusque-là. Après les études secondaires, elle a songé à prendre un boulot à Maurice, bien décidée de changer ce que la vie avait décidé pour elle. Oh, non, juste maman.
femme au foyer, parce que je travaille. Il y a un matériel qui les tient. Au moment où tu faisais faire ça, mais quand même, parce que c'est tellement difficile. Pour maman, tout le temps, je suis contente, comment dire, de réussir dans la vie pour un peu, pour capable tout le temps améliorer une situation économique dans la famille. Si je vais gagner ça, peut-être je vais pour là, je vais pour essayer de financer mes études. Et moi, je suis besoin de travailler peut-être pour plus tard, moi aussi étudier. Mais ça, c'est bon pour économiser un peu le temps. Écoute, ton maman, par exemple, qui la bouse là représente? Je suis bien satisfaite de ça parce qu'il a beaucoup, comme si, indépendant économiquement. Il est capable de concentrer plus sur ma petite soeur. C'est que le gouvernement commence à continuer avec ça. Beaucoup d'enfants pour bénéficier, pour capable réaliser le rêve. Ça aussi pour être beaucoup de familles. La bourse a de bonnes possibilités, gagner un placement après mon degré de 2 ans. Et puis plus tard, après 2 ans, je vais faire mon master à l'étranger ou à Maurice même. Et toi qui t'en choisis? À Maurice même. Bien fier qui me garçon gagne l'oréal aujourd'hui pas chatan qui me dit vous gagnez ça aujourd'hui. Première fois dans la famille ça? Oui, première fois dans la famille. Tout le temps gagne bon résultat, je suis satisfait souvent de résultat. Pour nous, c'est une grande affaire pour nous parce que nous peinons sa quantité. Ce papa t'a dit que tu as pas un travail fixe, un travail comme tailleur. Mais moi, bien fier aujourd'hui que nous gagnons ça la bourse pour nos enfants sur l'éducation. La bourse ça, il peut une aide pour moi-même avec ma famille. Il peut aider financièrement, il peut aider moi complètement l'étude à Maurice même, ou peut-être si mon envie après à dehors, à faire complètement l'étude dans un pays étranger, il peut faciliter pour moi. Pour l'instant, je vais faire une BSc Civil Engineering à l'Université Maurice, je vais continuer, finir complètement 4 ans à Maurice, mais là peut-être quand même, je vais faire une master à Dio. Parce que j'ai besoin. Fait étudier, c'est un peu difficile pour moi, travail qui m'a fait. Pour moi, pour moi, pour moi, une facilité. Travail taillé, comment était Un travail, pas fait, non. Mon papa a décidé, il y a 6 ans, et ma maman travaille dans ici. Ça m'a même une fille qui. Mon papa n'est pas là, à cause de moi, ça a fait mon étude, je sais pas quoi. Tu une continuer assez normalement. Je peux faire mon undergrad Maurice même et plus tard, je peux faire mon postgraduate à l'extérieur grâce à la bourse. Ça représentait pour toute la famille? Fierté et la famille bien heureuse. Après l'effort, la récompense. Monish Lalbiari tient dans sa main sa lettre l'informant qu'il est boursier. Ses études tertiaires seront entièrement financées par le gouvernement. Un résultat exceptionnel en HSI, mais pour en arriver là, ce jeune de Camp Diable a dû faire bien de sacrifices. C'est le motif de sortir ici à Camp Diable pour lui, et c'est bien difficile pour moi, vu que je suis extra loin. C'est le motif de finir l'obstacle. Comment ça, je suis capable du tout. Tu as pour lui, je suis fatigué. Tu es fini de revenir à mes 2e année. Ça a vraiment encouragement. Allez, mon papa, tu es malade, elle est là. Là, je suis à demi-tard, peut-être minuit, grand matin, 4h30, je suis fini de lever. Tous les jours, je peux travailler, je peux réviser, faire mon devoir, mais moi, j'ai aussi un équilibre entre études et activités sportives, tout ça, à l'école. Mes camarades bien soutiennent moi, mes parents et aussi mon professeur à l'école. C'était en l'OAM que mon papa a fait son accident et mon cœur, 3 mois, je reste à l'hôpital. L'ALM, je sais tout, je finis partie cette année même, tu es à l'ONN et je résiste, moi, avec lui, j'ai besoin d'être à la maison, d'être à l'OAGI pour mon étude. Mais. Non, c'est fait, parti, mais voilà, c'est bien courage. Libre de moi, chaque mois, libre de moi, je suis revenu et je pensais pour m'acheter mon livre, pour me faire mon démarche ici, là-bas, ça libre de moi. Les sacrifices ne s'arrêtent pas uniquement qu'à l'étudiant. Gérant de ce tabagie, Sunil et Emma ont contribué au succès de leur fils. Chez les Lalbiari, les études ont toujours été une priorité et l'intelligence est dans les gènes. La fille aînée a aussi reçu une bourse. Pour moi, il y a un grand sacrifice parce que surtout, je n'ai pas fait l'école moi et je fais beaucoup d'efforts pour mes deux enfants. Mon la santé va bien, je suis tombé levé, je suis bien, je suis madame à moi, je suis debout derrière moi tout le temps.
Nous travaillons beaucoup d'heures, depuis le soir, tous les jours dans Tamazi, nous donnons des coups de main, des coups de carton, nous vendons. Mais nous, dans la ville, d'âme, nous sommes nous deux enfants. Et nous faisons tous les efforts pour nous en prendre, pour nous aller devant. Et nous espérons que nos enfants aller devant nous. Et nous bien satisfaits, nous bien gagner un bon résultat. Pour moi, il n'est pas net parce qu'il n'est pas si facile pour moi de prendre les plis devant pour moi. Mais nous sacrifions beaucoup. Nous faisons les gars sur les sorts, sur l'étude. Et nous travaillons, puis nous en prenons, nous faisons des efforts. Et plus, nous faisons un coup de main tout. Quand ils sortent l'école. Nous avons fait gâteau tout ça d'après-midi, nous faisons alim tout ça là. Et là, nous sommes arrivés, nous sommes amenés nos enfants l'autant. Puis, nous avons travaillé avec des pélèges, tout ça là, travaillé ensemble. Après, quand il est malade, tout ça là, nous avons tout seul, nous avons travaillé, nous avons fait de moi un petit peu. Monish a choisi d'étudier l'ingénierie civile à l'université, un domaine qui passionne ce jeune et dans lequel il compte faire carrière.